Monsieur Weller ? Monsieur Weller ? C'est Monsieur Weller. Répondez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur Weller, je ne comprends rien, mais pourquoi avez-vous fait ça? Georg. Georg est mort. Monsieur Weller, il ne s'agit pas de Georg. Daniel. J'ai l'impression que vous buvez trop. Il le faut. Sinon, je ne peux pas dormir. Et où avez-vous dormi? Au premier? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est disputé. Pour quelle raison? À cause de Christa. Monsieur Weller, il ne s'agit pas de Georg, il s'agit du fils de Georg. Daniel. Daniel. Bon, écoutez-moi. Quand la police arrivera, ne dites pas un mot, ne faites aucune déposition. Est-ce que c'est clair? Daniel est mort. Et c'est moi qui suis coupable. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas lui? Daniel était son ami. Et oui, après cette tragique affaire d'accident, il considérait ce garçon comme son propre fils. Ouais, mais il a fait des aveux. Eh bien, c'est ça qui ne va pas. Il s'est empressé d'avouer un crime dont il n'arrive même pas à se souvenir. Allez, Umba. Attrape! Parle-moi de cet accident avec le père de Daniel. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'époque? Weller avait un grand ami, Georg Meininger. Le père de Daniel. Il se connaissait carrément depuis l'école. Il y a environ un an, ils se sont rencontrés un soir dans un café. Ils ont bavardé, ils ont bu quelques verres comme souvent. Et tout à coup, Meininger s'est énervé. Il s'est précipité sur Weller et il s'est mis à le tabasser. Et Weller? Bien, il s'est défendu. Meininger a trébuché et il s'est cogné la tête contre un mur. Ça n'avait pas l'air spécialement grave, mais il est tombé dans le coma et 3 ou 4 jours plus tard, il était mort. Est-ce que Weller t'a dit pourquoi Meininger avait explosé? Il était jaloux. Meininger croyait qu'il avait une aventure avec sa femme. C'était le cas? Weller et Madame Meininger disent que non. Et Weller a été acquitté, bien sûr. Par le juge, oui. Seulement lui, il ne se l'est jamais pardonné. Il est hanté par ça. Attends voir. Il va y avoir un an. Weller a tué Georg Meininger. C'était de la légitime défense. Attends, je mets les choses au clair. Il avait bu un coup et il a tué son ami. Un an plus tard, au tour de Daniel, le fils de Georg. Encore une fois un ami, et encore une fois, Weller était ivre. Dis-moi, de quel côté tu te situes, toi, au juste? Du côté de celui qui me paie, c'est tout.
Non. C'est pas vrai, je le crois pas. Non, mais ça va pas dans ta tête, quoi. Qu'est-ce que tu t'imagines, hein? Là, je te jure que ta femme va le savoir. Espèce d'obsédé. Allez, dégage. Et ne reviens plus jamais dans cette maison. Je voulais seulement te consoler un peu, quoi, c'est tout. Madame Meininger, mon nom est Matula. Est-ce qu'on pourrait parler un moment? Dégagez, vous aussi. Madame Meininger, ça sera vraiment pas long. Je voulais juste vous remettre une lettre. Oui, c'est une lettre. Ah, vous aussi, vous voulez me sauter. Pardon? Oh, vous avez très bien entendu. Eh bien, je crois que non. En êtes-vous aussi sûr? Ah oui. Enfin quoi, vous entrez ici comme ça sans me demander si je veux. Vous parlez avec moi sans que je vous le demande, alors pourquoi n'iriez-vous pas encore plus loin? Madame Meininger. À moins que vous ne me trouviez pas assez jolie. Et cet imbécile-là. Je croyais qu'il me prenait dans ses bras pour me consoler un peu de mes peines. Eh bien non, ça lui était bien égal. Il était tout excité. Je suis quoi, moi? Je suis désolée, mais on vient de m'enlever mon enfant. Daniel n'avait que 18 ans, vous savez. Cette lettre est de Paul Weller. Non, sans rire. Autrefois, il faisait partie de la famille. Vous pouvez le croire. Saviez-vous qu'autrefois, j'avais une famille? Oui, c'est vrai. Enfin, tout ça, c'est déjà très loin. Un beau jour, ça fait boum, et voilà qu'on se retrouve toute seule. Seulement, le pire dans tout ça, c'est que la vie continue et c'est pas drôle. Madame Meininger. Oui? Vous pensez ce que vous dites? Alors arrêtez de parler comme ça. Oui, alors aidez-moi. Et remportez-moi cette lettre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit, à votre avis? Aucune idée. Ça va faire plus d'un an que j'ai pas revu Paul, vous savez. Depuis ce fameux accident dramatique, j'étais tout à fait contre. Seulement, Daniel et Paul sont restés bons amis. Daniel allait même le voir très souvent. Et maintenant, voilà qu'il marche chez lui. D'abord mon mari, ensuite mon fils. Est-ce que vous trouvez ça drôle? Est-ce que Daniel avait d'autres amis que lui? Une copine, Rita. Rita Tessman. Je n'ai jamais fait sa connaissance. Madame Meininger, est-ce que je peux jeter un coup d'œil à sa chambre? Pourquoi? Ses vêtements sont partis, sa valise a disparu, et je ne sais pas du tout ce qu'il avait en tête. Satisfait? Et si le juge vous pose des questions, je vous en prie, répondez-lui, mais tenez-vous-en simplement au fait, d'accord? Ce que vous pouvez ressentir n'a rien à voir avec l'affaire. C'est clair? Est-ce qu'on est bien d'accord? Allez, on va arranger ça. Maître Franck. Oui? Est-ce que vous avez remis la lettre? Pardon? Oui, à Christa. Ah, oui. Je suis désolé, elle n'a pas voulu la prendre. Allez, venez. Daniel Meininger a trouvé la mort, disons, à peu près entre 23h et 23h30. La clé était dans la serrure de la porte d'entrée de l'atelier. Est-ce que c'était la sienne? Monsieur Weller. Je lui en avais donné une, bien sûr. Bien. Alors, il est entré dans l'atelier. Attendez, et... vous faites, comment savez-vous ça? Pardon? Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous prouve de façon formelle que Daniel Meininger a été assassiné dans l'atelier? Qui sait? Il a très bien pu être tué dans un autre endroit et être amené ensuite dans cet atelier. Oui, peut-être. Monsieur Weller, vous avez déclaré avoir tué Daniel Meininger. Enfin, c'est ce qu'il y a dans le dossier. Il semble que vous ayez totalement oublié les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Et il en est de même pour l'arme du crime. Jusqu'à présent, le couteau n'a pas été retrouvé. Le soir du crime, l'inculpé avait absorbé une forte dose d'alcool. Sous le coup de la panique, il a dû essayer de se débarrasser de l'arme en question. Et ensuite, comme il était incapable de faire quoi que ce soit, il est allé se recoucher. Oui, et le lendemain matin, à son réveil, il prend sous l'inconscience que sa situation est critique, et plein d'effroi, il fait appel à son avocat. Exact. Et le sang?
Que faites-vous des taches de sang devant l'atelier? Est-ce qu'aussitôt après le meurtre, la victime serait allée prendre un peu l'air ou quoi? Peut-être que la victime était en fuite, mon cher maître. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être pourriez-vous au moins prouver la culpabilité de mon client avant de douter de son innocence. Permettez. Je voudrais dire quelque chose. Je ne vois vraiment pas pourquoi tout le monde est en train de s'énerver. Je vous ai déjà dit que j'étais coupable. Et je tiens à être puni en conséquence. Je dois dire que vous ne me simplifiez pas la tâche. Pourquoi, monsieur Weller? Je veux dire, pourquoi voulez-vous être puni? Parce que c'est comme ça. Eh bien, je vois que nous n'avons pas eu d'éléments nouveaux. Bien, je constate que les circonstances exactes du crime ont besoin d'être mises au clair. En attendant, je prends la décision suivante. Le mandat d'arrêt est annulé jusqu'à nouvel ordre. Monsieur Weller devra être relâché. Les charges étant largement insuffisantes. Non, je ne veux pas ça. Arrêtez, je vous en prie. Je vous ai déjà dit que c'était moi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Monsieur Weller, j'aimerais que vous vous taisiez. Tout maintenant. Ce que je veux, c'est être puni. Oh, mais vous êtes toujours soupçonné de meurtre, ça vous rassure? Monsieur Weller, je ne comprends pas ce qu'une longue peine d'emprisonnement peut avoir de si attirant. En tout cas, si on arrive à prouver votre culpabilité, nous ne manquerons sûrement pas l'occasion de vous le faire savoir. Je vous le promets. Bonjour. Bonjour. Je voudrais parler à Rita Tessman, s'il vous plaît. C'est de l'atrophie. Pardon? De l'atrophie, une maladie musculaire. Il me reste 6 mois à vivre si tout va bien. Rita Tessman est-elle ici? Non. Vous êtes son frère? C'est au sujet de son ami, Daniel Manninger. Vous le connaissiez? Il est mort? Alléluia! Je vois qu'il vous a fait son numéro. C'est un modèle de bon goût. Sa mère était sur un fauteuil roulant et cet imbécile s'en amuse. Je peux vous être utile, monsieur... Böhm. Martin Böhm. Je voudrais parler à Rita Tessman, s'il vous plaît. Et de quoi, monsieur Böhm? C'est au sujet de son ami, Daniel Manninger. Il est mort. Non. Je le crois pas. Un accident? Un meurtre. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est affreux, dites-moi. Voyons... Mais qui a pu faire une chose comme ça? Est-ce qu'on a arrêté l'assassin? Non! Je peux parler à Rita Tessman, monsieur? Vous ne m'en voudrez pas de vous dire ça, mais si la déposition de ma fille est nécessaire, je suis persuadé que la police nous le fera savoir. Ou alors à vous. Ne m'en voulez pas. Je ne vous en veux pas. Je suis obstiné. Arrêter l'assassin depuis longtemps, c'est ce Paul Weller. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Oui. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger, je te jure. Et la copine de Daniel, cette... comment déjà... Rita Tessman. Oui, est-ce que tu as pu parler avec elle? Aucune chance. Et son père, c'est quel genre? C'est le genre d'oiseau qui te vendrait une voiture d'occasion par téléphone. Et alors, ce serait une erreur? Ouais. Elle pourrait tout juste sortir du garage. C'est
C'est à cause d'un type comme ça que je me suis mis à étudier le droit. Il m'avait vendu une moto et j'ai dû passer beaucoup plus de temps à la pousser qu'à rouler avec. Un jour, j'en ai eu assez et je suis allé le trouver. Je lui ai dit, écoutez-moi, mon cher, ce n'est pas ce que nous avions prévu. Rainer, oui. T'aurais pas quelques petites variantes à cette histoire? Ah bon, je te l'ai déjà raconté. Bah, tu parles. Bon, très bien. Oublions ça. Bon, écoute ça. Klaus Tessmann possède une société d'exportation. Dans quoi? Officiellement ou officieusement? Oh, si tu me demandes ça, c'est que ça n'a rien d'officiel. Matériel militaire. Ça va du détonateur simple à la centrifugeuse et à l'uranium enrichi. Oui, alors? Il a été arrêté pour livraison illégale dans tout un trafic avec l'Irak. Il a fait la une des journaux avec cette affaire. Fin d'un trafic d'armes dans un pays du Golfe. Plus tard, on a été obligé de le relâcher par manque de preuves solides. Comment tu sais ça? J'ai des relations. T'as des entrées dans le contre-espionnage? T'as envie de connaître l'histoire, oui ou non? Ouais. Après cette affaire avec l'Irak, il était complètement grillé. Les gens ne voulaient plus se brûler les doigts avec lui. Et aujourd'hui, il refait surface. Il est reparti pour un tour et à titre d'exemple, il vient de racheter l'atelier de Veller. Elle est drôle, celle-là. M'as-tu là? Madame Meininger, vous avez reçu une dernière lettre? De qui? Et quand? Elle a reçu une lettre de Daniel aujourd'hui. Madame Meininger, est-ce que vous pourriez me lire cette lettre? Merci. Chère maman, est-ce que je dois tout lire? Oui, bien sûr, vous lisez tout. Chère maman, quand tu liras cette lettre, Rita et moi, nous serons déjà en route pour l'Amérique. Je pars pour toujours. Je suis désolée. Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt, mais quelque part, je ne pouvais pas. Je sais très bien que tu n'aurais pas du tout apprécié. En tout cas, tu aurais tort de te faire du souci pour nous. Rita et moi, nous avons bien réfléchi avant de prendre cette décision. Je te donnerai régulièrement des nouvelles. Je t'embrasse. Je vais raccrocher maintenant. Madame Meininger? Bonjour. Puis-je parler à votre père? Bien sûr, mais à ses bureaux. Et à votre sœur? À son école. Vous en êtes bien sûr? Daniel Meininger vient de mourir assassiné. Et ce garçon avait le même âge que vous. Pourquoi? Bonne fin de journée. Qu'est-ce que vous savez? Daniel voulait quitter ses racines et partir avec Rita. Le paysan? Avec la princesse? Oh oh, et si le roi apprenait ça, il serait en colère? Ou alors, il l'a peut-être déjà appris? Et sa colère a fait rage? Quoi, le roi? Il ne veut pas perdre la jolie princesse. Le roi a dit, paysan, il faut se casser. Seulement, le paysan n'a pas écouté. Le roi a dit, paysan, tu vas te faire tabasser. Seulement, le paysan ne veut pas écouter. Non. Il découvre par hasard comment le roi gagne son argent. Et ça lui donne une idée. Il le fait chanter. Bonne chance. Merci. Thank you.
ça va mieux? Mais oui, ça va mieux. Mon copain est mort. Et alors? Ça peut arriver à n'importe qui. J'aurais jamais été faire de mal à Daniel. J'avoue qu'au départ, j'en étais pratiquement persuadé. Oui, seulement, je te jure que je n'aurais jamais été faire de mal à ce garçon. Christa, ça m'est égal à te condamner. Je l'ai bien mérité, seulement... C'est pas du tout pour ce qu'on croit. Monsieur Weller. La porte était ouverte, alors. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Bah, quelle horreur. Il faut la finir vite. Vous en voulez? Non, non, merci. Monsieur Weller, vous aimiez Christa, n'est-ce pas? Peut-être même que vous l'aimez encore. Je n'oublierai jamais comment vous regardiez cette femme au tribunal au moment du procès. Je ne suis pas aveugle. Vous êtes gentil. Seulement, je trouve que vous parlez trop. Je me souviens qu'à l'époque, quand on a amené Georg à l'hôpital, je me suis assis ici et j'ai fait une prière. J'ai demandé à Dieu de le laisser mourir. Mon Dieu, laisse-le mourir, s'il te plaît. Ouais, vous n'en voulez pas? C'était un accident. Exactement. Le remords n'a rien à voir là-dedans. Allez, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aucune idée. C'est vous qui les fabriquez, non? J'étais un bon mécanicien de précision autrefois. J'étais vraiment un grand. Désormais, je me contente de faire ce qu'on me demande. Et cette jolie machine fait exactement ce qu'on lui dit. Le reste ne m'intéresse pas du tout. C'est très dommage. Monsieur Tessman? Boom. Vous vous rappelez, je suis venu hier. Alors, je me suis dit que vous deviez vous demander qu'est-ce que cet homme peut me vouloir. Alors, voilà. Je suis revenu vous voir pour répondre à cette question. Je serai bref. Je suis un ami de Daniel Meininger. Disons que je l'étais. Ah oui, maintenant il est mort. Mais savez-vous qui avant de... Monsieur Matula. Vous et votre maître Franck, vous ne savez rien du tout. Non, vous ne savez rien du tout. Ah non. Vous savez qu'un jeune garçon est tué. Et que près de lui, on trouve un homme très méchant. Peut-être que plusieurs hommes aussi méchants sont derrière lui. Peut-être que ces hommes sont très agacés par le fait qu'une fouine s'intéresse à leurs affaires.
Oui, oui, c'est toujours comme ça avec ces animaux étranges. Dès qu'ils se mettent à trouver une trace... De quelle trace on parle, hein, Matula? Rita, le trafic d'armes, les pressions, le meurtre. Vous jouez aux échecs, Matula? À mes heures. Venez, on va faire une partie. Au cours de cette partie, vous aurez un témoin, un excellent témoin. Le meilleur. Moi. Les Blancs, c'est à vous. Je vais vous faire la variante Matula. Elle n'a l'air de rien, seulement... Tant que vous ne jouez pas au dé avant chaque coup... Je vous écoute. Daniel était ici. Ce fameux soir, un peu avant qu'il meure, ici, dans ce même bureau. Il voulait quelque chose. Et j'ai accédé à sa demande. Et qu'est-ce qu'il voulait? De l'argent. Pourquoi faire? Oh, ça c'est la meilleure. Échec et mat. La suite, ne me faites pas attendre, monsieur. Non, ce sera tout. Revenez me voir une fois que vous l'aurez appris. Cette partie est finie. Et si jamais j'avais plus envie de jouer? Et si j'en avais un peu marre de vos coups pourris? C'est un perdant, hein, monsieur Matula? Un mauvais perdant, mon cher. Un très mauvais perdant. Au revoir. Monsieur Weller. Oui, Desmond, bonjour. Je vais faire un saut chez vous, hein? Non, non, c'est uniquement pour affaire. Oui, à tout de suite. Bonjour. J'ai besoin d'un petit peu d'aide. Qu'est-ce que Daniel savait au sujet des affaires de votre père? Que c'était très spécial. Matériaux, alliages, pièces détachées. Chaque chose étant en soi totalement inutile. Seulement ça part pour le Brésil, et pour beaucoup d'argent, la Libye ou même l'Inde, et là, des gens se font un plaisir de les assembler. Et qu'est-ce que ça devient? Des tas de choses bizarres. Des centrifugeuses. Des machines à pomper. Pour quoi faire? Des produits sanitaires. Ou des gaz mortels. Et ce sera tout. Mario! Vous ne devriez pas faire ça, monsieur Franck. Qu'est-ce que je ne devrais pas faire, monsieur Tessman? Mario est malade. Ah oui? Mario et moi, on s'entend très mal. Je l'ai toujours trouvé trop faible. Seulement, depuis la mort de sa mère, il a beaucoup changé. Il est devenu missionnaire. Croyant en Dieu, à la bonté et à la justice. D'un seul coup, il y a un mois, tout était fini. Il a arrêté l'école et il n'a plus d'amis. Il ne veut même plus quitter la maison. Mario est malade. Vous avez peut-être raison. Je me demande simplement ce qui le rend malade. Rita va aller à Boston. Au collège. Au moins pendant un an. Et toi, que dirais-tu de l'Angleterre? C'est ce que tu souhaitais autrefois. Au moins là, t'apprendrais quelque chose, ce serait bien, non? Mais apprendre quoi? À devenir comme toi?
Bon, arrête ces bêtises, il faut que je travaille. Attends, attends. Je suis rentré dans la source. Maintenant, il joue contre lui-même. Génial. Et le plus drôle, c'est qu'il s'en rend même pas compte. Et moi, j'ai plus rien à faire. Je suis sûr de gagner à la fin. Tiens, regarde. Tu as vu ça? Alors c'est ça que tu veux? Hein, c'est ça? Mais je ne veux rien du tout. Oh, si. Tu veux que je me casse la figure? Il faudrait pas croire. Je sais que tu fais tout cinéma pour me détruire. Oui. Oui, j'aimerais que ça aille mal pour toi. J'aimerais que Veller puisse se sortir de ce bourbier, que ce soit toi qui t'enfonce à ton tour de plus en plus jusqu'au fond. Bon. Comment je dois me situer? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je dise la vérité? Non, c'est juste que je trouve drôlement bien. C'est que quoi que tu fasses, c'est moi qui gagne. Je ne crois pas une seconde à toute cette histoire de trafiquant d'armes. Je sens que c'est une impasse. Le contre-espionnage essaie de coincer Tessman, de lui trouver quelque chose, mais à quoi ça aboutit? À rien. Pourquoi? Parce que Tessman est un homme très malin. Et voilà que d'un seul coup, un jeune homme de 18 ans apparaît dans ce paysage, Daniel, et irait faire chanter ce monsieur. Oh, tu parles. Je vais te dire, il faut retourner voir du côté de Rita. Daniel et Rita voulaient quitter le pays, et le père voulait les en empêcher. Cette fille est encore mineure, il lui était très facile de la récupérer. À condition de la retrouver. Ce qui n'aurait garanti en rien le fait qu'il n'ait pas envie de recommencer. Il lui a peut-être offert une somme d'argent pour l'éloigner de sa fille. Et Daniel a très bien pu refuser. Mais en tout cas, on doit s'occuper de Rita. Je peux très bien demander une citation à comparaître. Oui? Passez-le-moi. Bonjour, ça va? Quoi? Ah oui, disons une petite demi-heure. Bien, tout de suite. C'était Mario. Tessman veut éloigner sa fille du pays. Je t'accompagne? Non, non, tu files chez Christa Meininger. Il faut qu'elle parle avec Veller. Non. Non, non, Rainer, je ne fais pas ça. C'est pas du tout pour moi. Fais-le. Si, vas-y, si Veller retrouve un peu la raison et qu'il se rétracte, on pourra faire pression sur Tessman. Non, je veux pas faire ça. Helga, annulez le rendez-vous avec Schneider, je dois m'absenter. D'accord. Tu vas simplement... Écoute-moi, tu vas lui dire ça. Écoute. Hé, Franck. Il vous aime. Veller vous aime. Paul Veller vous a toujours aimé et il vous aime encore. Paul Veller vous aimait. Seulement, il était l'ami de votre mari. C'était pas très facile. Puis survient ce drame. Votre mari meurt. C'était un accident, oui, mais pas pour Veller. Pour lui, c'était un meurtre. Il se dit que sans lui, et sans tout cet amour qui vous unit, son ami serait encore en vie. Et maintenant, votre fils. Non. Veller n'est pas du tout coupable. Ça ne l'empêche pas de s'accuser. Pour lui, c'est comme une punition. En mémoire de Georg. Pour un meurtre qui n'en était pas un. Si ça vous intéresse, eh bien, moi aussi, je l'ai aimé. Seulement lui, il ne pouvait pas attendre. C'est lui qui a tout fichu par terre. Mais enfin, vous trouvez pas que ça suffit? Si vraiment c'est de la faute de quelqu'un, c'est autant de la vôtre que de la sienne. Seulement vous, vous avez changé de côté, comme ça, d'un seul coup. Vous, vous n'y étiez pour rien, vous n'aviez pas voulu tout ça, vous étiez un ange. C'est Veller, le sale type, hein? Alors c'est son problème qui se débrouille avec sa conscience. Demain, elle doit partir. Pour un an au minimum. Je vais en parler avec lui. Attendez. J'aimerais vous montrer encore quelque chose. Croyez-vous en la justice, Maître Franck? Bien sûr. Pourquoi pas vous? J'ai vu mourir quelqu'un à petit feu. Ça a duré des années, les nerfs. Et tout le reste.
insidieusement. La maladie est toujours insidieuse. Oui. Un malheur, un hasard, et la vie devient différente. D'un coup, elle a un sens, tout s'éclaire. C'est pas vrai? Oh, si. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu croire. Et j'y ai cru. Et maintenant, vous n'y croyez plus du tout? Il y a à peu près 6 mois, mon père est venu me parler de ses affaires. Et vous n'aviez rien pressenti? Ben, peut-être que je n'avais pas voulu. De toute façon, je ne comprends pas pourquoi il vous en a parlé. C'est parce que pour lui, la vie n'est qu'un jeu. Et il est très fier d'être un gagnant. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une valise. Il voulait aller en Amérique. C'est la valise de Daniel. Connaissez-vous Daniel? Je l'aimais bien, c'est vrai. Oh, c'était pas un romantique ou un Roméo. C'était un garçon très dur. Calculateur des plus ambitieux. Il savait très bien ce qu'il voulait. Et que voulait-il? Ah, gagner. Et pour gagner, il avait besoin de Rita. Il ne l'aimait pas vraiment. Il voulait surtout atteindre les sommets et avoir l'argent, le pouvoir, la carrure. Et tout ça, c'est elle qui devait lui procurer, par mon intermédiaire. Ah, et c'est lui qui vous l'a dit? Non. C'est moi qui lui ai dit. Je voulais l'éliminer, ça je l'admets. Je lui disais souvent, mon gars, il faut aller faire joujou ailleurs. Rita? Oui, oui, mais pas moi. Pas mon argent, pas mon influence, rien de moi, rien du tout. Quitte à déshériter ma fille. Monsieur Tesman, que s'est-il passé cette fameuse nuit? Il est venu dans mon bureau, avec une valise à la main. Et il m'a dit, donnant, donnant. Quelque part dans cette ville, dans un endroit secret, votre fille est en train de m'attendre. Elle s'apprête à quitter ce pays en ma compagnie ce soir pour toujours. Versez-moi 500 000. Et je vous dis où elle se trouve. Et vous avez cru à cette farce? J'ai tout de suite appelé la maison. Rita n'était pas là. Mario venait de la voir sortir avec une grosse valise. Et alors? J'ai versé l'argent. 300 000 marks, c'est tout ce que j'avais. Il a pris cet argent et il a dit « Rita m'attend à l'aéroport ». Alors il m'a tourné le dos. Et vous l'avez tué à ce moment-là? Et il est parti. Ah oui, c'est vrai, il fallait encore qu'il aille cacher cette valise dans la cave. Non. Il l'avait oublié dans mon bureau. Dieu merci, une chance. Quand j'ai appris qu'il était mort, je me suis dit qu'il valait mieux la faire disparaître, mais évidemment j'ai eu tort. Monsieur Tesman, elle est assez extraordinaire, votre histoire. Elle a seulement le désavantage d'avoir un tout petit défaut. Personne ne la croira. Dans ce cas-là, inventez-en une autre. Et administrez-en la preuve. Et cet argent, c'est quand même assez étonnant qu'on ne l'ait pas retrouvé sur le cadavre. Peut-être. Est-ce le mobile? Celui qui a l'argent sur lui est sûrement le meurtrier. Je vais aller avec Rita en Amérique. C'est ce que Daniel a écrit à sa mère. Alors pourquoi l'avoir fait s'il voulait juste vous faire chanter? Non, 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 monsieur Tesman, vous aviez un mobile. Vous aviez une bonne occasion de le tuer. Vous connaissiez l'histoire de Veller et vous aviez aussi une clé de l'atelier. Ça suffit, monsieur Tesman. Ça suffit largement. Je suppose que c'était la véritable raison. Mario m'a appelé parce qu'il avait envie de me montrer la valise. Bon, et ensuite... je vais m'en aller. Ah, mais oui, bien sûr, Elga, merci. Passez une bonne soirée. Merci. Avez-vous expédié le courrier? Bien sûr. Bien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Elga. Alors, est-ce qu'il l'a arrêté? Bon, ce n'est que la détention provisoire. Espérons que les preuves seront suffisantes.
Elles ne seront pas suffisantes. Seulement maintenant, nous avons un nouveau suspect. Et ça, j'avoue que c'est tout à fait ce que je voulais. Ça redonne à Veller une chance de s'en sortir, tu comprends? Et est-ce que Tessman a réagi à ça? Pas du tout. Il est... Je crois vraiment que je n'avais encore jamais vu quelqu'un avoir un tel contrôle sur soi. Tu as beau faire, tu n'arrives pas à l'atteindre. Soit il n'a jamais eu le moindre sentiment, soit il est passé maître dans l'art de ne pas le montrer. Disons que Rita et Mario ont vraiment un père formidable, si c'est ça. Comme tu dis. Oui, j'écoute. Quoi? Ouais. Merci. Alors ça, c'est complètement fou. On vient de retrouver 300 000 marques dans l'atelier de Veller. Et il y a des traces de sang sur les billets. Ah. Eh bien. Qui êtes-vous? Où est-ce que vous allez? Je suis son avocat. Je ne tuerai jamais personne pour de l'argent. Je ne tuerai aucun être humain pour de l'argent. S'il vous plaît, calmez-vous, monsieur. Vous voulez voir le mandat d'arrêt? Non, merci bien. Venez avec moi. J'aimerais savoir si quelqu'un est passé vous rendre visite aujourd'hui. Tessman. Ah, non. Elle est bonne, celle-là. Et qu'est-ce qu'il voulait? Qu'on parle de cette affaire. Et il est resté un petit instant? Oui. Il a eu envie de boire un verre. Je suis sorti pour lui chercher quelque chose. Ça va comme ça, les grosses ficelles. Vous savez, monsieur le procureur, on a souvent de grosses ficelles qui viennent entraver l'exercice de nos métiers. Seulement, pour une fois, on a affaire à une fine cordelette de qualité. Et je vais vous le démontrer avec plaisir. Je m'en occupe. Dis-moi, au bureau de Tessman, est-ce qu'il y aurait un garage souterrain ou un parking dans l'immeuble? Il y a un garage, ouais. Bon, bah, alors on y va tout de suite. Tu vas réussir à l'ouvrir? Ça, je peux pas encore te répondre. Si tu me dis pas de quoi il s'agit. Tessman a faussement attribué l'argent à Veller. Ah bon? Mais t'as dit toi-même qu'il avait emmené le cadavre dans l'atelier. Si c'est le cas, il l'a quand même pas emmené en autobus, voyons. Bon alors, est-ce que tu vas l'ouvrir? Non. Peut-être qu'on peut rentrer autrement. Tu viens? Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Bravo. Elle est là. Ah oui. Peut-être que cette fois, tu arriveras à ouvrir le coffre. Ah. Officiellement, non. Alors, qu'est-ce que ça donne? Doucement. Aïe. Voilà. Elle est comme neuve. C'est comme si elle sortait du magasin. Formidable. Pour les spécialistes de l'identité judiciaire, le plaisir ne fait que commencer. Quoi? Je disais que pour les spécialistes de l'identité judiciaire... Oui, ça va, j'avais compris. Tu saignes? Ah ouais. T'as quelque chose? Oui. Tiens. Ce sont les choses qui arrivent. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? En voilà une bonne question. Bon, il faut que je téléphone. Maître Franck à l'appareil, est-ce que le procureur est encore là? Merci. Monsieur Winter, Maître Franck, je ne sais pas si c'est important, mais je viens de jeter un œil sur la voiture de Tessman. Il y a pas mal de sang à l'intérieur du coffre. Oui, du sang. Eh bien, je pense que vous devriez venir vérifier. Je ne voudrais pas qu'au cours du procès, vous me reprochiez d'avoir supprimé les preuves. Non, écoutez, monsieur, il s'agissait d'une plaisanterie. Vous allez venir voir, hein? Bien. Merci, à plus tard. Qu'est-ce qui va se passer si les gars de l'identité judiciaire ne trouvent rien? Disons que je passerai pour un idiot. Allez, viens. Ah, monsieur le procureur, je devrais peut-être encore vous dire que mon collaborateur s'est coupé en ouvrant le coffre de la voiture en question. Il se pourrait qu'il y ait un petit peu de... Des cheveux. Des cheveux?
On a retrouvé des cheveux appartenant à Daniel Meininger. Son corps a été transporté dans la voiture de Tessman, c'est sûr. Nous avons ordonné son arrestation. Et pour ce qui est du sang, il n'est pas du même groupe. Il était beaucoup trop frais. Vous m'en voyez ravi. Pourquoi ? Eh bien, M. Weller est à nouveau libre, n'est-ce pas ? Bon, excusez-moi. Mais... Tessman ! Paul ! Christa, qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens te chercher. Attends ici 2 minutes. J'ai pas encore fini. Est-ce qu'il a avoué ? Non, il refuse de déposer. C'était pas lui. Et ça, tu le sais aussi bien que moi. Il voulait qu'on gobe son histoire et qu'on n'aille pas trop fouiller dans les détails. Il a donné de l'argent à Daniel pour qu'il laisse Rita en paix. Et là... d'un seul coup, il le poignarde comme ça, dans le dos, dans son bureau. Il reprend vite fait l'alias de billets. Il va avec le cadavre dans le garage souterrain. Il le met tranquillement dans son coffre. Et là, comme par hasard, personne ne le voit. Personne ne le dérange. Il emmène bien gentiment le cadavre dans l'atelier. Et là encore, une vraie coïncidence. Weller est en haut dans l'appartement. Weller n'entend rien. Weller ne voit rien. Weller a bu un coup. Et il n'a pas d'alibi. Écoute-moi ça, il est vraiment très bon. Rainer, on sait que Tessman est un vrai pro et qu'il est si malin que personne n'a encore jamais réussi à le coincer. Ça m'étonnerait qu'il aille tuer quelqu'un comme ça, en faisant n'importe quoi. Et tu veux que je te dise, s'il voulait tuer quelqu'un, je ne crois pas qu'il s'en chargerait lui-même. Et au cas où il voudrait le faire, tu crois qu'il prendrait comme ça tous ces risques ridicules ? Alors, il n'aurait pas emmené le cadavre dans l'atelier ? Si, seulement il a dû improviser. Et s'il a dû improviser, c'est parce que ce n'est pas lui qui a buté Daniel. Tu m'excuses, mais j'ai du mal à suivre. Oh si, tu comprends très bien. Il a toujours dit dans le bureau. Daniel est venu dans le bureau. À 11h du soir. Tessman travaille encore dans son bureau. Et Daniel est au courant? C'était pas dans le bureau ou ça l'était? Non. Ça s'est passé dans leur maison. Et dans cette ville-là, on peut tuer quelqu'un sans prendre de risque imbécile. Et on peut mettre un cadavre dans une voiture sans que la ville entière soit au courant. Mais ce n'est plus vraiment nous que ça regarde. C'est devenu l'affaire de la police, non ? Fais comme tu veux, Rainer. Seulement, il y a là-bas un des enfants qui est un meurtrier. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas me répondre ? Je me sauve. Mais pourquoi maintenant ? Enfin, tout est terminé. Tu ne peux pas comprendre. Tu restes ici, est-ce que c'est clair ? T'as pas compris, on dirait. Sache qu'il s'agit de ma vie. Ma vie, Mario, tu m'entends ? Mon existence, ma vie, la mienne, et pas la tienne. Ma vie, Mario. Ne me laisse pas tout seul. Bonsoir, Rita. Bonsoir, monsieur. Où est Mario ? En haut. Qui êtes-vous ? C'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qui s'est passé entre Daniel et vous ? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là ? Qu'est-ce que vous voulez de moi ? Pourquoi a-t-il fallu qu'il meure ? Mario ! C'est vous qui l'avez tué ? Non ! Est-ce que vous avez tué Daniel Meininger ? Non ! Il n'est pas venu, je l'ai attendu toute la nuit, mais je vous jure qu'il n'est pas venu ! Si, il est venu ! Non !
Il vous a dit qu'il ne partait plus avec vous en Amérique. Non. Que tout ça, c'était qu'un jeu. Qu'il ne voulait que l'argent. C'est bien ça qu'il vous a dit, non? Et vous, vous étiez à la fois désespérée, déçue et furieuse. Vous avez pris le couteau. Non, et c'est vous a... pas vrai. C'est pas vrai. Mario. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Vas-y, occupe-toi de lui. J'y comprends rien du tout. C'est vrai, quoi? Je comprends rien du tout. C'est fini, c'est fini. Ça va, tout va bien. C'était pas du tout son idée de s'en aller d'ici. Elle ne m'aurait jamais quitté. Daniel était ici. Oui. Il a parlé avec mon père. Il voulait de l'argent. Ou bien on ne reverrait plus ma sœur. Et comment votre père a réagi à ça? Il l'a cru, en fait. Il n'était pas mécontent, finalement. Parce que... je crois qu'il comptait là-dessus. Daniel ne voulait que l'argent. Maintenant, il n'en avait plus peur. Il allait pouvoir le maîtriser. Daniel a pris l'argent et il lui a dit « Rita attend à l'aéroport. » Et papa... papa a rigolé. « Tiens, prends-le, ton argent. Cette fois, tu as perdu. » Sur la route, il en riait encore. Et où allait-il? Chercher Rita? Oui, mais quand il est parti, c'est Daniel qui rigolait. Rita n'était pas à l'aéroport. En fait, c'est à la gare qu'elle était. Ce n'était qu'une mise en scène. Ils voulaient aller à Munich et de là prendre un avion. Vous comprenez? Ils avaient imaginé ce numéro pour récupérer une grosse somme. Alors Daniel a roulé votre père. Comme vous dites, oui. Et c'est lui qui vous le racontait? Oui. Il croyait que j'étais contre mon père et que je marchais avec lui. Seulement Rita. Rita fait partie de moi. J'ai été loyal. Je lui ai dit, Daniel, fais pas ça, s'il te plaît, fais pas ça. Je l'ai averti. Enfin, c'est vrai, quoi. Seulement lui... il a dit un truc du genre, faut que tu me comprennes. Tout un tas de blablabla. Je cours vers la cuisine. J'attrape un couteau. Et là, je le vois qui traverse le jardin. Je cours derrière lui et je dis, Daniel, tu oublies quelque chose. Daniel. Très vite, il s'arrête. Il se retourne. Et ça s'est fait comme ça. Il n'était pas fait pour Rita. Ce n'était en fait qu'un rêveur. Quand papa est revenu, il était déjà mort. Moi, j'ai caché la valise. Mon père s'est chargé du reste. Alors, votre père a joué les coupables pour vous sortir de là. Parce qu'il était gêné. Et en plus, c'était ça son travail. Aider les autres à semer la mort autour d'eux sans jamais se faire avoir au passage. Là-dedans, il s'y connaît. Il s'apprêtait à aller en prison pour vous. Ouais, mais tôt ou tard, il m'aurait trahi. Seulement, ça aurait été un peu plus tard pour lui. Il n'avait pas du tout envie de mourir. Aide-moi, il me disait. Il m'implorait. Aide-moi. On signale un accident. Mario. Bonjour, papa. Tout ça n'est rien d'autre qu'un jeu. Tout ça n'est rien d'autre qu'un jeu.